m'appelle Vanessa Manassès. Avec mon mari, on a ouvert cette boulangerie il y a un an au cœur du village de Dompierre-sur-Vesle. Donc dans notre boulangerie, vous pouvez trouver beaucoup de pains spéciaux comme le maïs et le campagne, mais aussi une bonne quantité de pâtisseries diverses, notamment le Dompierrois qui est la spécialité de mon mari. Alors, donc on a appelé ce gâteau le Dompierrois, donc en hommage aux villageois. Et mon mari a créé cette recette de toutes pièces. Donc c'est à base de pêche et de framboise, donc un mélange de fruits, avec une crème allégée, donc mousseline, moitié crème pâtissière, moitié crème au beurre. Et c'est enrobé d'un joli décor caramélisé. Les villageois sont contents de trouver ici un bon boulanger, de la bonne pâtisserie à côté de chez eux sans faire trop de kilomètres, et surtout la convivialité, le sourire et la présence 6 jours sur 7 du mardi au dimanche. Nous on s'est installé ici pour refaire vivre le village et faire vivre les traditions. Mon mari apprend des apprentis tous les ans. C'était vraiment le but de ne pas s'installer en ville. On est un jeune couple, certains pensent que c'est une erreur de s'installer en campagne, nous on adore ça. On a attendu 4 ans pour ce projet et on est content de l'avoir fait. Donc dans notre boulangerie, ce qui est le primordial chez nous, c'est d'utiliser des produits locaux tels que le beurre, la crème et les œufs, donc qui viennent notamment de Servas, et ainsi que les farines qui viennent exclusivement de la région Rhône-Alpes. On a pu prendre une semaine de vacances pour notre première année. Et en revenant de vacances, j'ai eu le plaisir de voir les clients habituels nous dire qu'on les avait manqués et qu'ils avaient besoin de nous au quotidien. Donc dans notre boulangerie, on peut côtoyer aussi bien le maire que la petite mamie du coin, que les enfants qui viennent, qui sortent de l'école. Et pour nous, ça nous fait plaisir parce que notre but, c'était vraiment de refaire vivre le cœur du village.